Et salut tout le monde, bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo de Bloodstained. Enfin, après 3 mois. 3 mois, ouais. Oh là là, la dernière date de juin, on va essayer de se souvenir du jeu, ça va être compliqué. Ouais, désolé pour ce. Pourquoi? Voilà, parce que je crois que je ne l'avais pas expliqué, ou peut-être que si, mais vu que j'ai une mémoire de poisson rouge, c'est compliqué. En fait, j'ai eu des problèmes de record avec Bloodstained et avec Battlefront 2, je ne comprends pas pourquoi. Battlefront 2, ce n'est pas réglé. Honnêtement, je ne sais pas si je vais le reprendre vu que le jeu m'emmerde. Mais Bloodstained, on va essayer de voir si le problème a enfin été réglé. En fait, il y avait des saccades, il y avait littéralement des parties de vidéo qui avaient disparu. Quand j'ai voulu faire un montage, je ne me suis pas trop compris. Et malheureusement, comme un mongolo, je vais admettre ma stupidité devant le monde entier, et comme ça Arwin pourra me dire je t'avais prévenu, trou du cul. En fait, quand j'avais fini d'enregistrer la session précédente, j'avais enregistré par accident sur la mauvaise save. Du coup, en fait, toute cette partie a déjà été visitée, du coup les coffres ont déjà été ouverts. Malheureusement. Donc j'ai déjà récupéré 2-3 fragments. Dont un qui sera très important pour quelque chose que je vais vous montrer là, j'espère pouvoir vous montrer là, sinon je ferai un cut et je vous mettrai la séquence. Il vous faut le familier Carabosse, mais avant ça on va prendre le cheminement standard. Donc là, je vous rappelle qu'on avait dégagé la voie avec la main qu'on avait récupérée avec le précédent boss. Merci Cochon, donc celle-là. Théoriquement, vous avez. Alors, ça fait un moment que j'ai pas joué. Hein. Ça fait 3 mois que j'ai pas joué, apparemment. Donc, là, vous avez un coffre ici. Donc, je ne me souviens pas du tout du contenu. Mais bon, ça, vous verrez. Hein. Je vais vous montrer où sont les coffres et comme ça, vous verrez. Donc, là, vous avez une petite bibliothèque qui vous apprend le talon de hachette quand vous vous servez d'une arme de type botte. Là, vous avez, comme vous pouvez voir sur la map, le téléporteur. Donc, ça, il n'y a pas de souci. Alors la vidéo va pas forcément vous montrer des trucs très intéressants. Donc là, il me semble que les coffres rouges c'était le pognon. Donc voilà, ça c'est l'effet Carabosse. Donc très bien, les voilà. Très important de récupérer leurs âmes. Alors si vous pouvez pas, en fait c'est pas vital. Hein. C'est surtout vous montrer un petit easter egg. Donc si vous passez par au-dessus. Voilà. Ici, vous pouvez trouver un PV max, ça je m'en souviens, mais il faut faire extrêmement attention à pas tomber. Et là, vous avez un coffre, donc c'est pas trop compliqué. Bon, une fois que c'est clean, là vous avez un piano où vous pouvez vous asseoir. Alors là, en fait, ce qu'il faut faire, il faut vous équiper de Carabosse et vous asseoir. Et voilà, ça. Et théoriquement, après avoir entendu la chanson jusqu'au bout, vous débloquez un petit succès. Donc ça, c'est un petit truc que j'avais découvert en cherchant un peu. Sans utiliser Internet, ce qui est ouf. Donc là, vous continuez votre chemin. Le cochon de Sébor qui... Aïe. Il ne m'a jamais droppé sa foutue côte de porc. Ah, vous rencontrez pas mal de fées Carabosse, hein. De toute façon, je vous rappelle que vous rentrez et vous sortez d'une zone, ça rip-hop.
un petit champ. Alors ça c'est un coffre, le coffre bleu comme ça, je l'avais déjà expliqué, mais je le réexplique parce que je suis teubé. Ce sont des coffres qui réapparaissent au bout d'un moment. Le contenu ne change pas, mais ça permet de farmer 2-3 éléments. Alors là, si vous descendez et que vous allez là, théoriquement vous avez un mur qui se pète avec un coffre, mais surtout il y a aussi un MP Max. Il me semble que c'est un MP Max à récupérer. Si vous allez par là, vous avez des salopes. Une gargouille, mais surtout. Pour m'avoir maudit, espèce de vieille folle, hein. Allez, fonce. Voilà. Un aillon sinistre, c'est toujours bien. Bon, on va attendre que la malédiction passe. Je vais vous montrer exactement ce que je vous avais montré. Alors, là, vous pouvez descendre, mais pour le moment, ça ne sert pas à grand chose. Hein. Je vais quand même vous montrer la zone parce que il y a des ennemis à tuer. C'est le coup de bruit. Hein. Mais voilà, on change de zone et malheureusement, si on continue d'avancer, on va se retrouver coincé par quelque chose. Je préfère vous découvrir quoi quand on y sera au moment des vidéos. Et comme ça, ça me permet d'avoir terrassé les ennemis. Hein. Ça fait mal aux yeux. Alors deux nouveaux ennemis assez intéressants, avec le mec en armure qui drop un rubis, et ça j'avais complètement oublié. Alors attendez, hop, on va vous montrer dans l'archive des démons, ça sera plus simple. Donc là, j'ai toujours farmé cette âme, et celle-là. Alors, le Zagan, il a une âme très importante, un fragment plutôt, excuse-moi, tous, Ariosoro, tout ça. Hein. Un fragment intéressant d'alchimie qui en fait vous permet d'avoir une chance de multiplier. Quand vous faites de l'artisanat, de multiplier le nombre d'objets que vous allez gagner, artisanat. Le barbecue, non, le Barbatos, non, ils sont pas là. Le Simir, je sais plus ce qu'il fait. Ah, armure de Buer, l'armure de Buer vous donne un fragment d'appel de Buer, donc exactement comme le Buer. Juste au niveau des drops que ça change, et c'est bien lui qui drop. Et le spectre calèche, on va voir ça tout de suite. Et alors, il y a des objets en haut, mais pour le moment, on ne peut pas y accéder. Alors, il n'y aura pas de boss dans cette vidéo. Hein. C'est vraiment transition. C'est la fin du jardin du silence. Donc, un point de save. C'est d'ailleurs là que j'allais sauvegarder. Donc là c'est le changement de zone, mais d'abord nous allons aller en bas. Bien monsieur. Qui est parfaitement placé si vous le farmez hein, à côté du point de sève. Donc on va faire cette zone là. Parce qu'en fait cette zone est bloquée. Parce qu'il nous faut un certain objet. Mais vu que c'est assez court, je peux vous montrer. Alors attention à ces ennemis qui font mal. Donc là on a la calèche qui tourne. Donc, vous pouvez voir cette magnifique tête de chien. Monter et en fait c'est à ce moment de la vidéo que ça a commencé à complètement déconner de ouf, je ne sais pas pourquoi, et je me rends compte que j'étais à 15 minutes de vidéo et malheureusement on dirait que la porte est verrouillée par une machine. Faut-il quelque chose pour la passer? Et évidemment il faut quelque chose pour la passer, mais on ne l'a pas encore. Donc voilà, je vous avais montré cette zone vite fait, je sais pas pourquoi, je ne sais plus. Sur la carte c'était monté. Ah, je l'ai, je l'avais pas. Parfait. Donc lapin morphose, vous transformez en Lily. Donc vous prenez la forme d'une Lily et vous faites plus mal. C'est génial. La chance est de retour. Bloc frappe, augmente votre résistance au bloc frappe. Donc ça sera bien de venir fermer ici. Tu fais pas trop mal, ça va. Et en plus, faire exprès de prendre des dégâts pour pouvoir prendre
Des repas pour augmenter nos stats de façon définitive, hein, c'est toujours une bonne strat. Toi, tu m'auras droppé ton âme un jour. Et du coup, enfin, malheureusement, c'est déjà la fin de cette. Donne-moi ça. C'est déjà la fin du jardin du silence, donc cette vidéo va pas tarder à s'arrêter. Je vais juste vous expliquer 2-3 trucs par rapport à ce que vous pouvez récupérer. Est-ce que le Seigneur, je vais l'expliquer? Il me semble que oui. Puis en fait, vous avez le fragment de Seigneur, mais vous avez aussi l'arme. Hein, et ça, j'avais dû l'expliquer. J'aurais dû me remettre à niveau. Hein, quel gros teubé. Le familier Carabosse, en fait, vous permet d'utiliser dans l'inventaire. Enfin, va, voilà, uniquement utilisé par Carabosse, quand équipé, va vous permettre de vous soigner. En plus d'attaquer, il me semble qu'elle attaque aussi, mais c'est pas la folie furieuse. On va se prendre une petite pizza, augmenter notre constitution, c'est toujours bon à prendre, la constitution c'est la défense. Qu'est-ce que je pourrais vous expliquer d'autre qui est encore frais dans ma mémoire de poisson rouge? J'ai le feu de canon, hein. Heureusement. Alors bientôt on va récupérer une capacité que j'aime beaucoup mais qui théoriquement va complètement faire cracher le son du jeu tellement je la bourre. Donc c'est prévenu. La présure j'avais pas. Il me reste quoi? Omelette roulée. 5. Ok. Bon. Bah malheureusement oui, c'est pas super intéressant pour une reprise, mais du coup, j'espère que ça va marcher cette fois. Et moi je vous dis à la prochaine!